C'est le dernier jour avant l'arrivée des tons de vaches maigres. Une journée spéciale pour les enfants, parée de pagnes traditionnelles, de dentelles, de foulards et de bracelets. Ils sont prêts à faire la fête et à célébrer un autre Mardi Gras. Nous sommes à Adjamé, une commune de la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les enfants s'amusent! Entourés de leurs encadreurs et quelques parents, les tout-petits de l'école maternelle d'Aopolin-Claude du groupe scolaire Djeloukou sillonnent les rues en chanson. Aminata, cette maman d'élèves, se dit heureuse d'accompagner ses enfants ce jour spécial. On est heureuse d'accompagner nos enfants aujourd'hui. Ce Mardi Gras a été une belle journée pour nous. Dans cet autre établissement à Cocody de Plateau, l'ambiance est à son paroxysme. Ici, les tout-petits ont opté pour une tenue de la terre de la Teranga. Aujourd'hui, les enfants sont habillés en sénégalais. Donc on a reparti les différentes couleurs pour que ça soit un peu plus beau, tout en prenant les couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc la maternelle en orange, le CM en blanc, le CE en vert. Concours de danse, sketch ont meublé ce moment festif. Abba Marie-Josiane, au nom de ses camarades, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit des responsables. Je suis très heureux de participer à cette fête et je dis merci aux enseignants de Ezaïgra de nous avoir soutenus. Je dis merci à la directrice, je dis merci au directeur et je dis merci à tous les enseignants. Rappelons, le Mardi Gras est célébré dans tout le monde entier.